My own words. We're going to wait a minute while everybody has a chance to come in. Okay, hello and welcome to everybody. Welcome to In My Own Words, our series on Holocaust survivor stories. This series is presented in partnership between the Holocaust Memorial Resource and Education Center of Florida and the USC Shoah Foundation. My name is Lisa Bachman and I am the Assistant Director at the Holocaust Center. We are located just north of downtown Orlando and we do hope that when our doors are open that you will be able to travel here to come and visit with us in person. Our mission is to use the history and lessons of the Holocaust to build a just and caring community free of anti-Semitism and all forms of prejudice and bigotry. Before I introduce our speakers today, I do want to thank all of you who have donated so generously to support this free programming. Right now through September 15th, we're very fortunate. Our friends at the United Arts Organization are running a campaign where they're matching all donations by adding on an additional 15%. If you are able to make a gift to help us continue these free programs, there will be a link put into the chat, or you can also text the letters SFA to 91999, and that will also be put in the chat. And thank you so much for your consideration. So now let's get on to the program. Today, we are very excited to try something new. I'm so honored to welcome Paul Kuttner, who's going to introduce us to today's storyteller, Mr. Joseph Weissman. Mr. Weissman is zooming in from his home in France, and he's going to tell us his story in his native language of French, and we will translate it for you. After the program, we'll address this all in our survey, and we eagerly await your feedback on the experience that you have today. Paul Kuttner is a French teacher and a Holocaust researcher. In 2012, he was a grant recipient from the French Embassy in the United States to incorporate this history into his language classes. He is a researcher and writer of the 2017 exhibit, Conspiracy of Goodness, at the Harriet and Kenneth Kupferberg Holocaust Center on the campus of SUNY Queensboro Community College in New York City. He lives in Rockville, Maryland today. And now it is my extreme pleasure and honor to turn this program over to Paul. Thank you very much, Lisa. Good afternoon on the East Coast. Bonsoir en France. I am Paul Kuttner. I teach French at the District of Columbia International School in the nation's capital. I'm speaking to you live from my home in Rockville, Maryland. In 2012, I had the opportunity to watch the movie La Rafle by Roselyne Bosch, which is based upon the events of the Veldiv Roundup and the weeks that followed in the French-run internment camps. The film traces the story of a boy named Joseph Weissman. When I originally saw this movie during its limited engagement in the Quad Cinema in New York City, I thought that the boy in the movie was a historical representation of what typically happened. Initially, I did not realize that Joseph Weissman was a real person until I saw a making of bonus feature when I started using the movie as a teaching tool in my AP French language and culture class the following year. Not only did I find out that Joseph Weissman is a real person, but he had a small cameo role in the movie. A bit more research connected me directly to Joseph. And my students for 3 years in a row in three different classes wrote letters to him. In 2014, I interviewed Mr. Weissman to record his testimony to use in my classes. A video of that interview in French without subtitles is available on the US Holocaust Memorial Museum website. The easiest way to view it is to Google Joseph Weissman, USHMM. 2020 marks the 78th anniversary of the Veldiv Roundup, which started July 16, 1942, when for 5 days, French police, using lists made up by French authorities and under orders of the Vichy government, arrested 13,152 Jews, including 4,115 children. 8,160 of those arrested, including all the children, were placed in the Vélodrome d'Hiver, a covered bicycle stadium, without food, water, or toilets for all 5 days before being sent to internment camps at Pithiviers and Bonne-Arlande.
They were subsequently sent to Drancy and then to Auschwitz. Of this group of over 13,000 Jews who were sent to Auschwitz, 25 adults survived, but none of the children. The only children who survived the Veldiv Roundup escaped at some point along the way, such as Joseph Nissen, whose story we will hear this afternoon. It was not until 1995 that French complicity and responsibility for this roundup, also known as Operation Spring Wind, was acknowledged when President Jacques Chirac said, "These dark hours have stained our nation's history forever and are an insult to our past and to our traditions. Yes, the criminal folly of the occupier was, as everyone knows, seconded by the French, seconded by the French state. France, country of the Enlightenment and of human rights, land of welcome and refuge, France that day carried out the irreparable. Going against its word, France delivered those under its protection to their executioner." And in 2012, President François Hollande declared, "The truth is that it was the French police using lists it had drawn up that was charged with arresting thousands of innocents who were trapped on July 16, 1942. It was French gendarmes who was informing. The truth is hard, it is cruel. The truth is that not a single German soldier, not one, was mobilized for the entirety of this operation." President Emmanuel Macron also acknowledged France's responsibility in 2017. Despite these important statements, a 2012 Consumer Science and Analytics poll revealed that in France, 67% of high school students, and I'm going to share my screen so you can see this poll, 67% of high school students and 60% of college age adults and 57% of 25 to 34 year olds had never heard of the Veldiv Roundup. Such statistics make it even more important that survivors tell their stories. It is therefore nothing short of remarkable that joining me this afternoon is Joseph Weissman, one of a handful of children who lived through the Veldiv and escaped from Beaune-Hollande. He is one of very few people alive today who witnessed the Veldiv Roundup, but he did not go public about his story until Simone Veil told him it was his duty. His book, Après la Rafle, appeared in France in 2012, a year after the movie La Rafle came out, and copies of the English translation After the Roundup can be purchased through the link on the registration page for this event. Special thanks to Shakespeare and Company in New York City for handling book orders for this event. Mr. Weissman is joining us live from his home in Le Mans, France. And here is a picture of his book. Okay. We are also joined by the translator of After the Roundup, my father, Richard Kuttner, who was a Hemingway translation grant recipient for his translation of Philemon, le naufragé du A, Castaway on the letter A, and who also translated Vincent Enguez's novel, Fear of Paradise, released in English in 2015. He taught at the United Nations International School for 33 years before retiring in 2012. He is joining us from his home, my childhood home, in New York City. Today, I'll be interviewing both Mr. Weissman and my father, and both my father and I will be interpreting for Mr. Weissman, who will be speaking in French. Let us begin. Mr. Weissman, can you tell us about your parents and their arrival in France? And why did they choose to live in France? In what year was it? And what did they think of France before the war? Pourriez-vous nous parler de vos parents et de leur arrivée en France? Pourquoi avaient-ils choisi de vivre en France? En quelle année était-ce? Et que pensait-il de la France de l'avant-guerre? Oh, mais c'est une phrase très longue. Il va faudrait la disséquer un peu. Il faut vous dire que je ne me rappelle pas de grand-chose, puisque lorsque j'ai perdu mes parents, j'avais 11 ans, et que c'était en 1942, et que je n'avais peu entendu parler de leur vie avant qu'ils viennent en France. Je sais seulement que mon père est arrivé en 1920. Il avait fait la guerre de 14 dans l'armée russe parce qu'il était russe et il voulait vivre en France parce que la France est le pays des droits de l'homme. Ma mère est arrivée, je pense, à peu près à la même époque. Mais ils ne se connaissaient pas, ils ont fait connaissance en France parce qu'il y avait à Paris
une association qui s'appelait Les Enfants de Lublin. Et ils ont adhéré sans se connaître à cette association et ils ont fait connaissance là-bas. So it's a pretty difficult question because he said I was 11 years old when I lost my parents in 1942, but my father came to France in 1920 and he had fought in the Russian army in the First World War, but he wanted to live in France. And his mother came around the same time. They met each other in France. They met in Paris thanks to an association called the Children of Lublin. Bon, the next question. You and your family, did you feel that you were in security or secure in France before 1940? In your book, you mentioned that you, as a child, you thought everyone was Jewish. Can we interpret that as meaning that you experienced very little anti-Semitism before the war? Votre famille et vous-même, vous sentiez-vous en sécurité en France avant 1940? Dans votre livre, vous avez dit qu'en tant qu'enfant, vous pensiez que tout le monde était juif. Est-ce que l'on pourrait interpréter que vous avez subi très peu d'antisémitisme avant la guerre? Absolument. C'est-à-dire que je ne pensais pas que tout le monde était juif, mais je savais pas qu'il y avait des juifs et des pas juifs. En ce qui me concerne et en ce qui concerne mes parents, nous n'avons jamais connu d'insécurité avant la guerre. Et je dirais même que lorsque, en 1942, nous avons dû porter l'étoile, personne ne nous a manifesté d'hostilité. I felt completely safe living in France until 1940. I didn't think that everybody was Jewish, but I knew that there were Jews and non-Jews. And until we had to put on the star, wear the star, I absolutely felt that I was safe and felt no hostility from anybody in France. In your book, you talk about that during the Exodus, when the Germans invaded and French civilians fled south, you left with your family, region around Paris, and you went into the southwest of France. How did you get there? Where did you go specifically? And how long did you stay in this area? And when did you decide to go back to Paris? Dans votre livre, vous parlez du fait que pendant l'Exode, vous avez quitté avec votre famille la région parisienne et vous êtes allé dans le sud-ouest de la France. Par quel moyen êtes-vous parti? Où précisément êtes-vous allé, si vous vous en souvenez? Pendant combien de temps êtes-vous resté dans cet endroit et quand vous êtes-vous décidé à rentrer à Paris? Eh bien, oui, effectivement, nous avons quitté Paris comme beaucoup de Parisiens, juifs et non-juifs. C'est ce qu'on a appelé l'exode. Mon père nous a conduits dans un village, dans un département que vous connaissez, vous qui connaissez bien la France, qui est le Maine-et-Loire. Et le village s'appelait Longué. Nous sommes restés un certain temps. C'est-à-dire que mon père, une fois nous avoir accompagnés, est retourné à Paris pour s'engager dans l'armée française. Mais il avait fait une demande de naturalisation qui n'avait pas abouti. Et il ne pouvait pas intégrer l'armée française car il faut être français. Il s'est donc engagé dans la Légion étrangère. Il a fait la guerre. C'est le seul régiment français qui n'a pas été fait prisonnier par les Allemands. Ils ont été démobilisés après l'armistice. Et mon père, à ce moment-là, est venu nous chercher par le train. Et nous sommes remontés à Paris, dans notre appartement, 54 rue des Abbesses, à côté du Sacré-Cœur. Okay.
In fact, we did leave Paris when during the Exodus, which is when many Jews and non-Jews left Paris. My father took me and my family to the village of Nangay in the department of Maine-et-Loire. We stayed there for a certain time. My father decided to make a request to join the French army, but to be in the French army, you had to be French. And he made a request to be naturalized, which was denied. So he joined the Foreign Legion, and his unit was the only unit that was not taken prisoner by the Germans. He was demobilized after the armistice, which established the Northern Occupied Zone and the Southern Free Zone. And he came back by train to fetch us. And we went back to our apartment in Paris on 54 Rue des Abbesses near Sacré-Cœur Cathedral. Joseph, what specific role he played in the Foreign Legion? Est-ce que vous savez quel rôle spécifique qu'il a joué dans la Légion étrangère? Je ne sais pas exactement. J'avais reçu de l'armée française ce qu'on appelle un état des services, où il est marqué qu'il a combattu sur le front. Je ne sais pas plus. I don't know exactly what he did. I received something from the French armed forces saying that he had fought on the front, but I really don't know anything more than that. In May of 1942, your mother had to sew stars on your clothing, and on the family's clothing. Can you talk about how she got a hold of these stars and relate with respect to the rationing of goods and the reaction of the non-Jewish public when they saw you or others wearing the star? Obviously, we would like to know if you felt humiliation or a public labeling, and how you felt specifically when you went to school, which was still open before summer vacation. En mai 1942, votre mère a dû coudre des étoiles sur les vêtements de la famille. Pourriez-vous nous raconter comment elle les a procurées vis-à-vis du rationnement et nous parler de la réaction du public non-juif au port de l'étoile? Certes, nous aimerions savoir ce que vous vous sentiez par rapport à l'humiliation ou l'étiquetage public, et en particulier ce que vous avez ressenti en allant à l'école qui était encore ouverte avant les grandes vacances. C'est une longue question, je vais essayer d'y répondre. Alors, en ce qui concerne le port de l'étoile, en France, à cette époque-là, il y avait le rationnement et des tickets pour tout, c'est-à-dire pour la nourriture, pour les vêtements, pour les chaussures, pour tout. Il fallait donc aller dans un commissariat de police, dire combien on voulait d'étoiles et donner des tickets de textile au détriment de pouvoir acheter des vêtements, puisque nous avions donné les tickets pour les étoiles, nous n'avions plus de tickets pour les vêtements. Le port de l'étoile est pour moi... Je ne sais pas si c'était une humiliation, mais je pense effectivement que j'avais honte. Et lorsqu'il a fallu sortir de l'immeuble, nous habituions au quatrième étage, il fallait traverser une cour et ensuite on passait une porte cochère et nous étions dans la rue des Abbesses. Mon père avait dit, surtout tu ne cacheras pas ton étoile avec ton cartable, parce que sinon nous allons aller tous en prison. Mais naturellement, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé de l'autre côté de la porte cochère, c'était de mettre mon cartable sur mon étoile pour pas qu'on la voie. Et je crois que je serais encore en ce moment à cet endroit-là si je n'avais pas vu un garçon de mon école, mais qui n'était pas de ma classe, un garçon qui avait une étoile routière, un garçon juif, qui avait un très mauvais caractère, personne ne l'aimait parce qu'il battait tout le monde, il tapait sur tout le monde. Alors, il m'a vu comme ça, tout apeuré, et il m'a dit, c'est à cause de l'étoile que tu n'oses pas bouger. J'ai dit oui. Alors, il m'a dit avec sa grosse voix, viens avec moi. Et moi, je croyais que les gens allaient cracher sur moi, me jeter des pierres,
que j'étais un être sale et qu'il fallait pour ça que tout le monde avec mon étoile sache que j'étais quelqu'un de pas bien. Quand je suis arrivé à l'école, personne ne m'a fait de remarque, rien du tout, et personne ne m'a craché sur moi dans la rue, et personne ne m'a jeté des pierres. Okay, it's a long question, but I will try to answer it. During the war, there was, during the occupation, there was rationing for everything, for food, for clothing, for shoes. And to get the yellow stars, you had to go to the police station and say how many stars you needed for your family and give up one textile rationing ticket per star. So these textile tickets would have been used for buying clothes in other situations. So that meant that they had less of an opportunity to buy clothes because they had to use their ticket to get the stars. I don't remember any specific humiliation, but I still feel that I was embarrassed. We lived on the fourth European floor, which is the fifth American floor of our building. And I would go down the stairs and there was this big door to go out of. And I remember my father telling me not to put my briefcase, my little backpack in front of me to hide the star because we could end up in prison. But of course, that's exactly what I did. I put the little briefcase in front of me to hide the star, and I probably would have stayed behind the door all day. But then I found another boy from my school was walking by, a boy who was very kind of buff, and nobody really liked him because he liked to fight with everyone. And he said, or in his deep voice, he was older, is it because of the star that you're hiding there? And he said, come with me. I thought that when everyone in public saw me with the star, that people would throw rocks and stones at me, and that I felt like a dirty person. But I did finally get to school. No one even made a remark to me when I got to school. In your book, you mention that the police arrived on July 16th, 1942 at lunchtime. Can you tell me at what time you knew the Jews were in danger and the plan that had been sought out? You, in your book, you mentioned that your father had been told to go home. He had been out earlier in the day making a delivery. And is it true that you only thought that men were, your family thought that only men were being arrested? Dans votre livre, vous mentionnez que la police est arrivée chez vous à l'heure du déjeuner. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment, avant leur arrivée, vous saviez que les Juifs étaient en danger? Et le plan que vos parents avaient conçu concernant l'endroit où votre père se cacherait. Et c'est vrai que votre père est allé faire une livraison plus tôt dans la journée, si je me souviens bien de votre livre. Pensiez-vous que l'on n'arrêtait que les hommes? C'est l'enfant de 11 ans qui va vous répondre exactement. Donc le matin, mon père qui était ailleurs pour vêtements, était parti avec son enveloppe qui contenait le costume qu'il allait livrer à son patron. Et naturellement, il avait son étoile. Il est monté dans le métro. C'était le matin, en fin de matinée. Et là, il y avait un camarade travailleur qui lui dit « Mais tu es juif ?» Il dit « Oui, je suis juif. » Et il dit « Tu es marié ?»« Oui, tu as des enfants ?»« Oui. » »« Mais tu sais qu'il faut rentrer chez toi tout de suite. » Parce qu'aujourd'hui, pour les Juifs, ce n'est pas bon. Nous n'avions pas ni téléphone, ni radio. À mon avis, nous ne savions rien du tout. Et donc, mon père, le garçon l'a poussé hors du métro en disant « Allez, allez, il faut que tu rentres chez toi et t'occuper de ta femme et de tes enfants. Il ne faut pas rester dehors pour les Juifs aujourd'hui. Ce n'est pas bon. » Donc, mon père est revenu à la maison et nous habitions le quatrième étage où il faisait à la fois son métier de tailleur et en même temps c'était notre appartement. Et depuis peu de temps, il avait loué une pièce au sixième étage, qu'on appelle une chambre de bonne,
et où il était retourné avec son travail qu'il n'avait pas livré, et il a continué à travailler. Moi, j'étais dehors dans la rue, je me rappelle encore, au coin de la rue Tolosé et de la rue des Abbesses, et une jeune fille qui était une amie de ma sœur et qui était la fille d'un copain papa dit « Tu sais, tu devrais rentrer chez toi aujourd'hui parce que c'est pas bien. C'est pas bon pour les Juifs. » Donc, je suis retourné à la maison et la police donc, a frappé chez nous au moment de midi, un policier en civil et en uniforme. Il a dit « Madame Bessman, oui, bon, nous venons vous arrêter, vous allez faire votre valise, vous avez un quart d'heure, prenez des vêtements chauds et du ravitaillement. » Et quand tout ça a été fait, maman m'a dit « Va chercher papa à son atelier. » Car il n'était pas question, bien entendu, que nous ne prévenions pas notre papa, qui n'aurait jamais laissé partir sa famille sans lui. Voilà comment les choses se sont déroulées. Alors voilà, la police a dit à ce moment-là « Ah oui, où il est, monsieur Bessman ?» Et maman a répondu « Il est dans son atelier, mon fils va le chercher et vous le ramenez. » My father left to deliver a suit that he had made to his employer. And he went down to the subway and another worker met him there and said to him, are you Jewish? And his father answered, yes. He said, are you married? Do you have children? And he answered, yes. And he said, you need to go home right away. Something's going to happen today. It's not a good day for the Jews. You better go home. I didn't know anything about this, and neither did my family, because we had no radio. We had no way of knowing, no means of communication that would have let us know in our home. So I returned home to my apartment on the fifth floor. He returned to home to his apartment on the fifth floor with the piece of work that he had done. And he decided to go. The apartment was not just where we lived. It was also a place where he worked, until he also decided to take a workspace up on the sixth floor. So he went up to the sixth floor. I was still out in the street. I was in the street not too far from where I lived. And somebody said, young man, you need to go back to your home. It's not a good day for the Jews today. Go home right away. So I didn't know what was happening. I decided I would take his advice and I went back home. Not long after that, the police came knocking at our door. My mother answered the door and the policeman said, Madame Wiesmann, you're under arrest. Pack a suitcase with some clothes. We're leaving in a few minutes. And she told me that I needed to go get my father. And she told the policeman, my husband is upstairs in his workshop. My son is going to go and get him. After you were initially arrested from your home, how did the rest of the arrest take place? Where did the police take you to start with? And how much time did you wait at every step? Après qu'on vous avait arrêté chez vous, où est-ce qu'on vous a emmené? Où la police vous a-t-elle conduit au début? Combien de temps avez-vous attendu à chaque étape? Oh, ça a été relativement rapide. Lorsque tout le monde a été prêt, nous sommes descendus de l'appartement. Nous sommes allés rue Le Pi, rue des Abbesses, sur environ peut-être 500 ou 600 mètres. Et là, il y avait un autobus qui attendait. Il y avait déjà des Juifs qui étaient montés. Et dès que nous sommes montés dans l'autobus, il a démarré et nous sommes partis en direction du Veldiv. Et c'était des bus de la RATP, c'est ça? Of course. So we were escorted down the stairs. We went down to the Rue des Abbesses where we lived, the street where we lived, and we walked about 500 or 600 meters. And there were buses waiting where there were already Jews on the bus. And these were buses that were run by the public bus company.
We got on the bus and we were taken directly to the Valdi. Décrivez ce que vous avez vu aux Valdives en ce qui concerne la nourriture, les sanitaires et l'odeur. I should have said that in English first. Can you tell us about what you saw at the Valdives in terms of the food, the sanitary situation and the smell? Eh bien, le Valdives, c'est encore une fois l'enfant de 11 ans qui vous parle. C'était rempli de gens avec un bruit infernal. Nous sommes presque 14 000 personnes. Un bruit incessant, assourdissant, des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes plus jeunes. Nous sommes sur un strapontin et nous allons rester pendant 5 jours à peu près et 5 nuits assis sur le même strapontin. Nous n'avons jamais reçu aucune nourriture. Nous n'avons jamais reçu aucune boisson. En ce qui concerne les conditions sanitaires, c'était épouvantable parce que tout de suite, les cabinets étaient bouchés, il n'y en avait pas beaucoup. Cet endroit n'était pas fait pour habiter, donc il y avait très peu de cabinets. Et c'était tout de suite une odeur épouvantable, insoutenable, et surtout qu'en plus de ça, il faisait une très grande chaleur, nous sommes enfermés. Le Valdive est couvert d'une coupole en verre qui accentue la chaleur et qui développe encore plus l'épouvantable odeur. Et la nuit, quand il n'y a plus, il y a toujours la chaleur, et il y a des projecteurs très nombreux pour éclairer fortement et qui dégagent une forte chaleur. Et ces 5 jours ont été comme si on était dans un four. When we arrived at the Valdives, it was filled with thousands and thousands of people. There was an unbelievable noise. It was deafening. It was just confused, chaotic noise. We spent 5 days there, sitting in the same place in the same row of bleachers because it was an indoor bicycle stadium. And we were stuck there in the same row for all 5 days. There was no food, there was no drink. All the toilets got clogged up immediately, and people had to take care of their needs wherever they could find a spot. The smell was a completely disgusting stench. Contributing to this was the heat. It was, remember, the middle of July. It was already very hot, and the Valdive had a glass roof, which made like a greenhouse effect and intensified the heat and also the smell. Also, it had very bright lights for nighttime bike races, and the lights contributed to the heat. So it was like being, for 5 days, it was like being in an oven. Can you describe your transfer to the camp at Bonne-la-Rolande? In particular, how many hours did this trip take? What was the scene once you got to the initial village of Bonne-la-Rolande? And how long did you have to walk from this train station to the camp? And did you see any Germans? Pourriez-vous nous décrire votre transfert au camp de Bonne-la-Rolande? En particulier, combien d'heures est-ce que ce voyage a duré? Quelle était la scène une fois dans le village de Bonne-la-Rolande? Quelle distance avez-vous marché de la gare jusqu'au camp et avez-vous vu des Allemands? Eh bien, le cinquième jour, on a été appelé par haut-parleur, chaque famille, la famille Westmann, etc., etc. Et nous sommes sortis du camp où attendait encore un autobus de la RATP qui nous a conduit à la gare d'Austerlitz. Bizarrement, le nom d'Austerlitz ressemble à Auschwitz. Là, nous attendaient d'interminables trains avec des wagons à bestiaux sur lesquels étaient marqués chevaux en long 8, hommes 40. Et dans un désordre indescriptible, il fallait monter à peu près 200 personnes par wagon. Là, pour la première fois, nous avons vu des Allemands, parce que jusqu'à présent, c'est la police française qui nous a arrêtés et c'est la gendarmerie qui nous a gardés après la police. Donc
les Allemands, on ne les a jamais vus avant de les voir à la gare d'Austerlitz, mais ils ne sont pas intervenus. Ils étaient sur une longue file, peut-être pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de révolte, je ne sais pas. Ils avaient des chiens, ils avaient une grosse plaque où il y avait marqué, je ne me rappelle plus qui voulait dire, Feldgendarm, c'est-à-dire la gendarmerie de l'armée. Il faisait une chaleur très forte, il y avait une pagaille terrible, indescriptible, parce qu'il y avait des enfants qui montaient dans les wagons, mais ce n'était pas le bon, il fallait faire redescendre, ils ne voulaient plus redescendre, ils ne voulaient pas remonter dans les autres. Il y en avait qui étaient montés dans les wagons avec leurs parents, mais pas avec leurs frères et sœurs. Enfin, tout ça, ça a duré pendant des heures et des heures et des heures. Et enfin, quand ils ont réussi à mettre tout le monde dans le train, on a plombé les portes et le train est parti. Je pense que nous avons dû partir à la fin de la matinée. Naturellement, dans ce wagon avec 200 personnes, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien à boire, il n'y avait même pas pour faire ses besoins. Le voyage a duré à peu près jusqu'à 6 heures ou 7 heures le soir, et pour faire environ un peu plus que 100 km. Le train n'allait pas vite, il s'arrêtait, il laissait passer d'autres trains, des trains avec des troupes allemandes, etc. Lorsque nous sommes sortis de la gare de Bonne-la-Rolande pour aller jusqu'au camp, je pense que c'était à peu près 2 km et ça a pris le temps que tout le monde descendait. Tout. Il y avait des gens qui arrivaient au camp, qui descendaient encore des gens du wagon, des wagons. Le village était un village hostile, fantomatique, car la police était passée avant et ils avaient dit « vous fermez les volets, vous fermez les portes, personne dans la rue, pas un chien, pas un chat ». Et nous avons donc marché, il faisait presque nuit quand on est arrivé dans le camp d'internement de Bonne-la-Rolande. Every family was called over the loudspeaker at the Veldiv. So my family, Weissmann, was called. Other families were called. We were put on buses, again, run by the public bus company, RATP. And we were taken to the Gare d'Austerlitz, Austerlitz train station, Austerlitz, which bizarrely resembles Auschwitz. It was an interminably long trip. We were put in cattle cars that said horses spread out 8, people 40, but there were 200 people put in every cattle car. It was also when we were at Austerlitz, it was the first time we saw Germans, but they did not intervene. They sort of waited in a long line, perhaps to stop some kind of potential revolt. They were with dogs that were barking, and they had these plaques or these medallions on that said Feldgendarmerie, which was a way of referring to them as being the police. It was extremely hot. It's still now about July 21st, 22nd. And people were put on different train cars, and some people were put on a train car separated from the rest of their family, and some people separated from their siblings. And it lasted hours and hours, and then they finally closed the door of the train. There was no air, there was no space for a toilet. It took many, many hours. We didn't get to the town of Bonne-la-Rolande until 6 or 7 at night, and it took many hours to go all of about 100 kilometers, which is about 62 miles. They routinely let other trains pass, trains with German officers on them. We got to the village of Bonne-la-Rolande, the train station, and it was about 2 kilometers to walk to the camp. But first they had to let everybody off the train, put them everything in an orderly fashion. The town was very hostile, or it appeared hostile, because earlier in the day, the police had gone to all the houses and told everybody to shut their windows, shut their blinds, and turn their lights out. So it was like walking through a ghost town. What condition
in what condition did you find the camp? What did you eat there? What were you fed, if anything? What was the hygiene situation there and the toilets? And how long were you there before the adults were deported separately from the children? En quelles conditions avez-vous trouvé le camp? Qu'est-ce que vous y avez mangé? Quelle était la situation sanitaire, dont les toilettes, par exemple? Et combien de temps êtes-vous resté au camp avant la déportation de vos parents avec les adultes? Sur le camp, je ne peux pas dire grand-chose. C'était un camp assez grand. Il y avait des baraques en bois, c'est tout ce qu'il y avait. Des baraques où nous habitions, une baraque pour recevoir l'alimentation, une baraque pour être fouillée, parce qu'on a été fouillé avant de partir pour la déportation, une baraque qui servait un peu d'infirmerie. Les conditions de nourriture étaient très mauvaises. Le matin, nous avions une espèce d'eau chaude, noire, et c'était tout. À midi, nous avions un repas qui était fait avec des haricots, mais qui était impropre à la consommation. Ils avaient été, ils ne pouvaient pas les vendre, et tout le monde avait la diarrhée, avec un morceau de pain, et le soir, il n'y avait rien. Quant aux conditions d'hygiène, elles étaient inexistantes. Pour faire sa toilette, il y avait sur des tuyaux une vingtaine de robinets d'eau froide et les gens étaient les uns à côté des autres, les femmes et les enfants et les hommes. Et alors on se lavait juste un petit peu la figure et c'est tout. Et pour faire ses besoins, c'était quelque chose de très pénible. Il y avait une planche en bois qui mesurait peut-être 20 ou 30 mètres de long avec un trou. Et tous les 50 cm, et tout le monde s'asseyait devant tout le monde et faisait ses besoins là, dans ce trou. En dessous de ce trou, il y avait comme une espèce de bassine qui recevait les matières, et il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien du tout. C'était des conditions d'hygiène totalement inexistantes, mais c'était fait pour nous humilier. Bonavolade was a big camp. It was composed of wooden barracks where we lived, where the interned people lived. There was one barrack for food. There was one where people were patted down before they were deported, put on the trains to go to Auschwitz to make sure they didn't have any money or valuables. And there was one for that served as an infirmary. For breakfast, we had kind of hot black water, can only be described like that, unidentifiable. For lunch, there was a kind of very thin soup made out of beans that were rejected for any other purpose and that had weevils in them. There was no dinner, and so people were starving all the time. As far as sanitation was concerned, to wash, there was a row of sinks in one of the barracks with only cold water. And if you needed to go to the bathroom, there was a wooden board with a hole about every foot and a half. And that's all there was, no toilet paper and nothing else. That was the way it was until the day when people were told to leave. And it was total humiliation, and the toilets were, there was no privacy. You had some chores in the camp, including emptying the toilets. And what did you find in the toilets? Vous aviez quelques corvées dans le camp, dans le vidange des toilettes, et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Effectivement, nous avions quelques corvées. Et j'étais un jour, malencontreusement et heureusement, désigné pour une corvée. C'est-à-dire que, comme je vous ai expliqué, sous chaque trou où les gens s'asseyaient, il y avait en dessous une bassine, et une lessiveuse, très exactement, avec une poignée de chaque côté. Et quand c'était plein, il fallait la vider. Et on m'a désigné, et on ne pouvait pas refuser, sinon on était battu, pour aller prendre
avec quelqu'un d'autre cette lessiveuse et aller la porter dans un certain endroit du camp. Moi, j'étais tout petit et tout maigre, et j'étais avec un plus grand, et naturellement, la bassine, la lessiveuse s'est penchée, et beaucoup de choses se sont tombées sur moi, sur mes jambes et sur mon corps, et j'ai vu dans cette bassine de merde des billets de banque de la République française, mais un grand nombre qui étaient là, il y en avait peut-être 40 ou 50. Je présume que c'est un monsieur qui a été arrêté. Il avait dû aller à la banque pour ses affaires, retirer de l'argent. Et comme il ne voulait pas les donner aux autorités, il a préféré les détruire en les jetant dans le caca. So, in fact, I did have a chore. I was designated to empty the toilet tanks. So when you went to the bathroom, it wasn't like a normal toilet. There was just a giant tank underneath these wooden planks. And when they filled up, they had to be emptied. And I had to take the tanks into one of the fields to empty it. And as I was pulling it, obviously some of its contents spilled on me, on my body, on my legs. But I saw that in this tank full of human excrement, I found that there were money bills. There were bills of money. There were banknotes in this tank. And it must have been someone who was wealthy, or maybe somebody who just had some expenses the day that they ended up being arrested, had gone to the bank and taken out some money. And instead of turning it over to the authorities, he threw it in the toilet to be taken away with the human excrement. And that's what I found there. What happened on the day of the deportation of the adults when the children were separated from their parents? Miliciens, the militia, the French police, patted down every person who was imprisoned. And what were you a witness? Comment s'est déroulé le jour de la déportation et de la séparation des enfants des parents? Les miliciens ont fouillé chaque interné. De quoi avez-vous été témoin? Ils n'ont pas fouillé chaque interné. Les instructions étaient les suivantes. Avant d'être déporté, on devait passer dans la baraque des fouilles où étaient installés des miliciens de Français, une milice de jeunes très agressive. Et si on devait déposer, ils étaient assis derrière une table, et on devait déposer devant eux toutes les valeurs que nous pouvions avoir, les billets de banque, les bijoux, les montres, les boucles d'oreilles, tous les bijoux que peut avoir une famille. Et il ne fallait bien sûr absolument rien cacher, car si vous étiez fouillé, par exemple, si on vous soupçonnait, on vous fouillait, si on trouvait quelque chose, vous étiez battu avec des matraques et dans des conditions très, très cruelles. J'ai vu devant moi une femme, une femme de 40 ou 50 ans, qui avait caché quelque chose dans ses vêtements intimes. Et les miliciens les ont trouvés et ils ont battu cette femme qui se roulait par terre et qui saignait de partout devant sa fille. Not everybody was patted down. You're only patted down if the militia suspected you of not putting all your valuables out. You went into the barracks where these young, aggressive, hostile militia men were. And you were expected to put everything of value out on the table in front of you, money, jewelry, anything that you might have. It was very dangerous to hide anything. If you hid anything and they suspected you, you would instantly be beaten with a blackjack. In front of my mother and me was a woman who had hidden something in her clothing, and they suspected her
they found it, and they beat her unmercifully. She was bleeding all over the place and rolling on the floor and screaming in pain, which is a horrible sight to see. How many hours did you have to wait outside? At what moment did you see the Germans come for the first time in the camp? And at what moment did they decide to separate the parents from the children? Describe the scene. Combien d'heures avez-vous attendu dehors? À quel moment avez-vous vu les Allemands pour la première fois? À quel moment a-t-on décidé de séparer les parents des enfants? Décrivez la scène, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons, comme toujours, été appelés par haut-parleur. Une fois qu'on est sorti de la baraque des fouilles, tout le monde s'est rassemblé, je dis tout le monde, c'est-à-dire tout le camp tout entier, a été rassemblé sur ce qu'on appelle l'esplanade, c'est une vaste cour devant les baraquements. Et nous sommes au mois d'août, puisque nous sommes restés à Bonne-la-Rolande à peu près 15 jours. Il fait très chaud, très très chaud. Nous sommes debout depuis 8 heures le matin, sans boire, sans manger, sans pouvoir faire ses besoins, jusqu'à peu près 5 heures de l'après-midi, ou 6 heures, je ne sais pas, à peu près. Et au moment où nous allions partir, ils allaient ouvrir les portes du camp, sont arrivés pour la première fois des Allemands, puisque nous n'avons jamais vu d'Allemands, nous n'avions que des gendarmes français. Il est arrivé ce qu'on appelle un commande-car, il y avait un officier de haut rang, et 5 ou 6 hommes en armes, et cet officier venait vérifier si les ordres de Berlin étaient respectés. Les ordres de Berlin étaient: il faut déporter les adultes, mais ne pas déporter les enfants. Et Pierre Laval, qui était le premier ministre de l'État français, avait dit, en parlant des Juifs, il faut se débarrasser en bloc des Juifs et ne pas garder de petits. Donc l'Allemand voulait que les ordres de Berlin soient respectés, et au visage, puisqu'il n'avait aucun autre moyen de voir, avec son doigt, il a montré des gens: toi, 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 vous retournez dans votre baraque et vous rejoindrez vos parents là, dans une semaine ou deux semaines, je ne me souviens plus. Mais toi, 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 est-ce qu'il y en avait 100, 200, 500, peut-être plus, je ne sais pas. J'ai été un des toi. We were called out by the loudspeaker once again. And after going through the barracks where they searched you, we were outside with everybody else who had been called in this courtyard. It was the month of August. We were in Bonne-la-Rolande for about 2 weeks. And it was very, very hot. It had started, we had been out there since 8 in the morning, and we stayed outside until 5 or 6 in the evening. No food, no water, no place to use the bathroom. And as we were ready to go, a German vehicle came in. It was the first time we had seen Germans in the camp. We had only seen French police the whole time we were there. And the Germans asked, have the orders from Berlin been respected? And the orders were that the adults would be deported, but that the children would stay behind. But Pierre Laval, who was the second in command of the French government, had said, we have to get rid of the Jews in their entirety. And you can't leave the children behind. But the orders of Berlin were that the children would stay another week in the camp. And so they started pointing out to kids, you, 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 and I was one of the yous. And they said, you're going to go back to your barrack and you'll join your parents in about a week. And so we stayed behind. You decided to escape. How did you make this decision? How could you sense that the authorities were lying to you when they promised to reunite the children with their parents 2 weeks later?
and you decided to flee with someone. Who and why and how? Vous avez décidé de vous évader. Comment avez-vous pris cette décision? Comment avez-vous senti que les autorités mentaient alors qu'ils avaient promis de réunir les enfants et les adultes 2 semaines plus tard? Et vous avez décidé de fuir avec quelqu'un. Qui, pourquoi et comment était votre plan? Nous avons vécu la scène quand nos parents ont quitté l'esplanade pour prendre le chemin de la gare de Bonnat-Rolland. Nous avons vécu un moment extrêmement difficile, mais le mot est trop faible, je dirais épouvantable, insupportable, apocalyptique. Quand on a séparé les parents des enfants, ça a été un déchirement, des hurlements de la part des parents, de la part des enfants. C'était insupportable et c'était tellement inhumain que je pense que dans mon subconscient, j'ai compris que j'ai dû sentir la mort, je ne peux pas vous décrire, mais après avoir vécu cette scène qui a duré des heures, qui a été très longue parce qu'il a fallu taper sur les femmes qui ne voulaient pas lâcher leurs enfants et tout, on a tellement tous pleuré, tout le monde hurlé, crié, que la vie n'était plus possible de continuer comme ça. Et j'ai décidé à cet instant-là que je devrais me vader. Le lendemain, ça n'a pas été long, dès le lendemain, je suis allé voir les garçons qui étaient restés dans le camp, j'en ai trouvé en leur disant, écoutez, voilà, moi je veux m'évader et je cherche quelqu'un parce que tout seul, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais à deux, on y arrivera. Et tout le monde m'a répondu, mais tu es un imbécile. Qu'est-ce que c'est que cette idée stupide? Personne ne s'est jamais évadé. Tu vas te faire arrêter par les gendarmes avec leurs chiens, les chiens vont te manger, et les gendarmes vont te battre et personne n'a réussi. Et même si tu réussissais, ce qui est impossible, tu ne vas pas rejoindre tes parents. C'est une idée de gosse imbécile que tu veux, tu nous proposes. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai répondu, je ne crois pas toutes les histoires que nous racontent, c'est tous des menteurs, et je sais et je sens qu'ils veulent tous nous tuer. Mais naturellement, personne n'a voulu s'évader avec moi. Et le lendemain, il y a des garçons qui sont venus vers moi me disant, c'est toi qui nous embêtait hier toute la journée, je veux m'évader comme un idiot. Et bien, tu vois, lui, il est idiot comme toi, il veut s'évader aussi. Et ils m'ont présenté Joe Cogan. Et Joe Cogan et moi, on s'est présentés tous les deux. Et tu veux t'évader, moi aussi. Eh bien, allons-y. When our parents were put on the train, it was a horrible, unbearable, inhuman scene. Screaming parents, screaming children, wild confusion, French police picking up kids and throwing them over here, beating mothers who wouldn't let go of their children. So somehow in my subconscious, I must have somehow felt that death was going to be the end result somehow after seeing this horrible scene. And I knew I couldn't continue like this, and nobody should continue like this. So I made up my mind that I was going to escape just like that. But I didn't think that I was strong enough to do it on my own. I hadn't had enough to eat for several years already. I was a skinny little kid, and I knew it would take two of us to succeed. So I started asking kids. Every one of them said, what a dumb idea. No one's ever succeeded in escaping from the Germans. They have their dogs. You'll be caught, the dogs will eat you, you'll get beaten. And why would you want to escape? You were told that you were going to be reunited with your parents in a week or 10 days. Don't you want to see your parents again? And I just said, they're all liars, I don't believe a word of it. Based on what I've seen so far, I don't believe a word of it. So nobody I asked was still willing to go with me. Until the next day, after I made this decision, a few boys came up to me and said,
Are you the one who's been annoying everybody and bothering everybody about finding somebody to help you escape? He said, yeah, that's me. He said, there's a kid over there who wants to escape too. You can go talk to him. That's how I met Joe Kogan, and he's the one that I escaped with. I'm going to ask one more question to Joseph, and then a couple of questions to my father about translation, and then we'll open it up to the questions in the chat box. I am cognizant of the time, and I know that we advertise this event as an hour, and I don't want anybody to feel bad if they have to leave a little early. But we'll be on for about another 20 to 30 minutes. So what was your plan to escape? At what time did you leave? Where did you, what part of the camp did you leave from? How long did it take? And what were the first days after your escape like? Where did you find a place to stay or sleep? Who helped you and who did not help you? Because it's sometimes, knowing your story as I do, it's a bit of a paradox. Quel était votre plan pour vous évader? À quelle heure êtes-vous parti? Par où vous êtes passé et combien de temps ça vous a pris pour vous évader du camp? Et pendant les premiers jours de vacances, où avez-vous trouvé refuge et qui est-ce qui vous a aidé ou ne vous a pas aidé? C'est évidemment une longue question. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que lorsque j'ai trouvé un camarade pour m'évader, je me suis dit, il nous faudra de l'argent, parce que dans la vie, quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Et je me suis rappelé que j'avais vu dans la lessiveuse que nous avions emportée avec les excréments, ces billets. Alors, je me suis dit, je vais retourner à l'endroit où on a posé cette lessiveuse, voir si je trouve, si elle est encore là. Elle était encore là, et j'ai donc plongé ma main dans les excréments. J'ai retiré, je crois que c'est un ou deux billets, mais il y en avait, j'aurais pu en prendre 50, hein, parce qu'il y en avait beaucoup. Il paraît que les Juifs aiment l'argent, mais vous voyez, moi, j'ai raté ma vocation. Donc, j'ai sorti cet argent, je l'ai lavé, une fois bien propre. Il était comme tout neuf, et je me suis senti rassuré. Ensuite, l'évasion, pour l'évasion proprement dite, nous n'avions absolument aucun plan, ni aucune carte, ni rien du tout. D'ailleurs, même si on avait une carte, on ne savait pas la lire. Nous nous sommes évadés très exactement à midi, et parce qu'à ce moment-là, c'est le seul repas que recevaient les gens du camp. Et donc personne, puisque c'était le seul repas, personne n'aurait pu le rater. Donc le camp était absolument vide. Nous sommes rentrés sous les barbelés. Nous avons fait avec nos petites mains un passage, car il faut dire que les barbelés n'est pas comme on les voit dans les films pour regarder les vaches, mais c'est des barbelés très très serrés, infranchissables, où tous les piquants se touchent. Et j'en veux pour preuve que nous avons dû mettre à peu près au moins 6 heures pour traverser ce fouillis de barbelés infranchissables, puisque nous sommes rentrés à midi et que nous sommes arrivés de l'autre côté, alors que nous sommes au mois d'août, déjà le jour commençait à baisser. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons couru, bien entendu. Notre technique était de courir la nuit et de nous cacher le jour dans la forêt, parce qu'à cet endroit, il y a une très grande forêt, une des plus grandes de France, forêt domaniale, qui s'appelle la forêt d'Orléans. Personne ne nous a aidés, et nous n'avons rencontré personne. Je vais m'arrêter là pour que vous traduisiez, parce qu'après, il y a une séquence qui est un peu longue pour la suite. D'accord. After I had found a friend to escape with, I realized we needed money. And I remembered that there was money in the tank, the toilet tank that I emptied in the field. So I went back to the field hoping that I would find some of the money. And the pile of excrement was still there. And I saw money and I stuck my hand in and I took bills out. I could have taken 50 different bills, but I only took 3. That way I wouldn't be suspicious
outside of the camp. And I cleaned them off, I washed them off, and they looked like new after I washed them off. We really had no plan, but one thing we did know was that there was only one meal a day at lunchtime, at noon, and the rest of the camp was empty because nobody wanted to miss that meal. So we found a place on the side of the camp where the barbed wire was a little, where there was a little less of the barbed wire, but I don't want anybody to think that this was just regular barbed wire like you see on the side of a road next to a farm. There were many wires very close together, and we had to go through many layers of the barbed wire, and it must have taken us about 6 hours to get through the barbed wire. The sun was up, it was hot when we started, and the sun was going down by the time we got to the other side. We ran into the forest. There's a big forest called the Orléans Forest, and our plan was that we would run during the night through the forest and we would stay in the forest during the day. And I have more to say, but I want to stop here so that you can translate. À vous de continuer. Bien. Alors, après avoir, je pense on est resté 4 ou 5 jours, je ne sais pas exactement, jusqu'à ce que nous arrivions dans un village où on ne pouvait plus dormir dehors, parce que d'abord, nous étions en très mauvais état, sales, nos vêtements étaient très déchirés, complètement déchirés. Naturellement, nous avions enlevé notre étoile. On nous avait rasé la tête dans le camp et nous avions du sang sur les mains, sur le crâne, sur la figure. Nous faisions vraiment plutôt peur que pitié. Et nous avons décidé de demander l'hospitalité en disant, voilà, on va tirer une sonnette, on va demander aux gens, on va leur faire un petit scénario en disant, voilà, nous devons prendre le train demain pour rejoindre nos parents qui sont à Paris, mais cette nuit, nous n'avons pas où coucher. Où voudriez-vous, s'il vous plaît, nous coucher? Alors, nous avons tiré 10 de sonnettes, comme ça, tout le monde nous répondait non, d'un air plutôt hostile. Et enfin, nous avons eu la chance de trouver une femme qui nous a dit, eh bien, oui, bien sûr, mes enfants, on ne va pas vous laisser dehors, venez avec moi, on va vous coucher. Et elle nous a emmenés à la gendarmerie, directement. Et naturellement, les gendarmes ont remercié cette femme et nous avons compris que pour nous, c'était terminé, que l'histoire s'arrêtait là, que les gendarmes allaient nous renvoyer dans le camp parce que nous ne connaissions pas beaucoup la région et naturellement, on avait tourné. En fait, on était à peu près à 20 km du camp. Et les gendarmes, quand ils ont vu ces deux gosses, devaient bien se douter de quelque chose. Et comme peut-être des enfants qui s'étaient échappés. Alors, ils ont remercié la dame qui nous a conduits là, et puis ils nous ont dit, écoutez les enfants, on vous a compris, on va être obligé de vous coucher dans une cellule, toute noire, mais nous ne fermerons pas la porte. Naturellement, nous ne les avons pas. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien du tout, il y avait juste un lit, et une chambre toute noire, très étroite. Naturellement, nous n'avons pas cru parce que les gendarmes étaient nos pires ennemis, car ils se sont conduits avec beaucoup de brutalité dans le camp, et surtout avec les enfants. Et nous avons beaucoup pleuré parce que nous avons compris que toutes nos souffrances, toute notre cavalcade, tout ce mal qu'on s'était donné, toutes ces blessures qu'on avait partout, tout ça, c'était pour rien. Nous allions retourner dans le camp et sans doute être battus et peut-être tués. Et puis finalement, on s'est endormi parce qu'on était très fatigués. Et le lendemain, de bonne heure, on s'est réveillé et la porte n'était pas fermée. On est sorti et on savait que sur la place de ce village, il y avait un autobus qui allait dans la deuxième ville du Loiret qui s'appelle Montargis et qu'à Montargis, il y avait une gare avec des trains qui allaient à Paris. Alors, on a attendu l'autocar. On a vu les deux gendarmes qui sont arrivés sur la place. Ils nous ont fait un petit clin d'œil amical, comme ça. Et puis, l'autobus est arrivé. Et
On a voulu monter dedans. Le chauffeur a dit, je ne peux pas vous prendre parce que mon autobus est plein, mais il y en a un autre qui arrive derrière où il y aura de la place. Et à ce moment-là, les gendarmes sont intervenus. Ils ont dit au chauffeur, tu fais descendre deux personnes et tu prends les enfants parce qu'ils sont très pressés. Voilà. OK. We stayed out in the forest for about 4 to 5 days, and we started to realize we couldn't stay like that. We were filthy. We hadn't eaten. We were all cut up from the barbed wire, our scalps, our hands, our faces. And if anybody saw us, we would inspire fear rather than pity. So we came upon a village and started ringing bells and explained that we needed a place to sleep, we needed some food, we needed to get clean, and nobody would take us in. Most of the reactions were fairly hostile. After about 10 to 12, knocking and ringing at 10 to 12 doors, we finally met a woman who said she understood and she would take care of us. She took care of us by taking us to the police station. Police thanked her for bringing us in, and at that moment we understood it's all over for us, okay? The police, it's been police who's been causing us all the trouble since we were in Paris. And it's going to be the police who send us back to the camp where we will be beaten or who knows what will happen to us. However, the police said to us, we were about 20 kilometers from the camp, now that's about 13 miles. They said, we understand your situation. We're going to put you in a cell overnight, but we're going to leave the door open. And then they left. And we were crying. We didn't know what was going to happen. We were sure we were going to go back to the camp. There was no toilet. There was nothing to eat. We were in a small, dark room with no furniture. We cried and cried, and finally we fell asleep. We just said to each other, all of this adventure of ours, all the trouble we've gone to is for nothing. We woke up the next morning, we went to the door was open. We walked to a bus stop. We knew that the bus would be going to Montargis, and Montargis had a bus that would be going to Paris. Waiting at the bus stop were the same two gendarmes who had taken us in at the police station and who had left the door to our cell open. A bus came. The driver said, the police said, I have these two children. They need us to get onto the bus. And the driver said, no, I have no room. Every seat is filled. There's another bus coming in a few minutes with some free seats. The policeman said, no, you are going to make two people get off this bus. These two children need to get to Paris as quickly as possible. And that's what happened. Paul, you're muted. At this point, I'm looking at the time. I'm going to turn the program over to Serena Ahmed, the program coordinator, who is going to tell us some of the questions from the audience. Thank you so much. Hello, everyone. I am absolutely honored to be here with you all today and to listen in to learn from Joseph. As Paul explained, I'll be posing just a few questions that you all have written in the chat, and we will conclude by 3:30 p.m. For those that cannot remain on the Zoom, thank you so much for attending today. You may go to our website at holocaustedu.org to see upcoming events and past recordings. Please have a very restful rest of your day. We have many wonderful questions from the audience so that we can hear as much as we can from Joseph and Paul and Richard. I'm just gonna hop right in. We have Todd here who's wondering, is Joe Kogan, who escaped with you, still in touch with you? Joe Kogan actually died in 2004. But I will let Joseph answer the rest of that. Joseph, est-ce que vous pouvez commenter sur votre relation avec Joe Kogan après la guerre? Oui, je voudrais apporter quand même d'abord une petite précision.
mes explications sont peut-être un peu incohérentes parce que je ne les enchaîne pas bien. Mais j'ai écrit un livre après la rafle où tout ceci est décrit, et ce qui fait que la compréhension est certainement plus facile. En ce qui concerne ma relation avec Jokogan, lorsque nous sommes arrivés à Paris, nous nous sommes quittés. Lui allait dans le... Je crois qu'il était du 19e arrondissement. Moi, j'étais dans le 18e. Il avait une tante là-bas qui l'a rejoint. Et moi, je suis allé chez un ami à mon père qui n'était pas juif. Nous avons vécu la guerre chacun de notre côté. Et naturellement, mon désir le plus cher était de retrouver mon ami Joe. Et le désir le plus cher de Joe était de retrouver son ami Joe. Joe était devenu un citoyen américain. Il avait été recueilli par une tante et qui habitait New York. Et il avait juré de ne jamais revenir en France parce qu'il avait la haine de la France qui tuait les femmes et les enfants. Et il a dit, mais je voudrais retrouver mon copain Joe. Moi, je voulais le retrouver aussi. Et finalement, c'est lui, c'est grâce à lui, et ça serait long à expliquer, mais c'est grâce à lui qui a reçu la visite d'un cousin, je crois, à lui, qui était français, qui est venu le voir aux États-Unis. Et au moment de partir, il lui a dit, je veux que tu m'aides à retrouver mon copain Joseph, il est sans doute mort, mais peut-être qu'il n'est pas mort. Voilà ce que je sais de lui. Il habitait 54 rue des Abbesses, dans le 18e arrondissement. Et si tu peux essayer de le chercher, c'est le plus grand souhait de ma vie. So, once they got back to Paris, they separated, and they got Joseph went to to a friend of his father's in the 18th district. And Joe Kogan went to an aunt's house who lived in the 19th district, and they never saw each other again during the war. And then many years later, he eventually immigrated to the United States. And he many years later, having refused to ever go back to France, he had a cousin who was in France said, it's my biggest, wish to find out what happened to my friend Joseph. And it was obviously my biggest wish to find out whatever happened to my friend Joe. And this cousin who was in France was given all the details about where I lived, where I might have lived, he found me. I think that I'd like to jump right back in and ask this question that in some ways is related. H. Rodman has asked, anti-Semitism is on the rise worldwide. I understand it is especially rampant in France. Numerous French Jews have made Aliyah recently to Israel. Do you feel anti-Semitism? And do you see examples? And if I may add, we would love to hear from Joseph, anything he would like to say in relation to anti-Semitism today in and out of France. Donc, l'antisémitisme est en hausse mondialement. Je comprends que c'est particulièrement présent en France, que de nombreux juifs français ont fait Aliyah pour Israël. Est-ce que vous sentez l'antisémitisme? Et est-ce que vous en voyez des exemples? Et est-ce que vous pouvez, si vous voulez, commenter sur l'antisémitisme en France ou ailleurs? Personnellement, j'habite donc le Mans dans la Sarthe depuis 1943. Je ne ressens pas l'antisémitisme, je sais qu'il y en a. Je ne pense pas qu'il y en ait plus en France qu'en Italie ou en Angleterre ou en Espagne ou même aux États-Unis. L'antisémitisme, il a toujours existé. Il y a eu des pointes en France, notamment dans l'affaire Dreyfus, qui a divisé la France, notamment quand Léon Blum a été Premier ministre
et qu'il a pris des décisions qui n'ont pas pris, qui n'ont pas plu aux Français. Il y a de l'antisémitisme, certainement. Dans la ville où je suis, tout le monde sait que je suis juif, je ne m'en cache pas, je ne m'en vante pas non plus. On est juif comme on est musulman, comme on est catholique ou protestant. Je lis, j'entends que il y a des exactions qui sont commises dans certaines villes. Je ne pense pas que l'antisémitisme soit en croissance. Il est là, il est permanent, il a été développé à cause de la guerre israélo-palestinienne, mais c'est un conflit qui est un peu faux parce qu'il y a une confusion entre sionisme et juif. Mais je ne pense pas, mais encore une fois, je ne suis peut-être pas qualifié pour vous répondre, que l'antisémitisme se développe en France et qu'il soit plus important que dans les autres pays. There's been anti-Semitism in France for centuries. The Dreyfus Affair was a big example. In recent times, fairly recent times, over 100 years ago, Léon Blum, who was prime minister of France, had difficulty with anti-Semitism. I live in Le Mans. Everybody knows I'm Jewish. I don't brag about it. I am what I am, just like everybody is who they are, whether they're Jewish, Muslim, Catholic, Protestant, everybody's something. I don't think that anti-Semitism is growing in France. It's a present that's just there, and it is what it is. It's exacerbated by the Israeli-Palestinian conflict, but I don't think that there's more anti-Semitism in France than there is in any other country. Thank you so much. We have a question here from Elizabeth Ely. There's a few parts to it. She's asking, I read that you did not share your story until late in life. What made you change your mind? How have you been able to cope with this horrific experience throughout your life? Is it safe to assume that your parents were killed? And did you ever find out officially? And she says, thank you so much for sharing your story. Je me rends compte que vous n'avez pas partagé votre histoire jusqu'à ce que vous étiez plus âgé. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Et comment est-ce que vous arrivez à tolérer vos expériences pendant ces expériences horribles pendant toute votre vie? Comment est-ce que vous avez su le sort, le destin de vos parents? Et merci d'avoir partagé votre histoire. Eh bien, je suis resté sans jamais raconter mon histoire parce que j'estimais que c'était une affaire qui m'était très personnelle et que de toute façon, les gens qui ne sont pas concernés vous écoutent d'une oreille sympathique, mais ils ont oublié au bout de 5 minutes. Donc, je n'avais pas du tout envie d'attirer la pitié. C'était mon affaire personnelle, jusqu'à ce que je rencontre un jour Simone Veil, une grande dame pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration. Et c'était au cours d'une réunion où il y avait des gens importants, notamment un historien américain que vous connaissez certainement, qui s'appelle Robert Paxton. Il y avait Max Gallo, il y avait enfin beaucoup de personnes. Et le hasard avait voulu que je sois à côté de Simone Veil. Et Simone Veil me demande, « Et vous, monsieur Weissmann, qu'est-ce que vous faites pour votre devoir de mémoire ?» Alors, je l'ai regardé un peu surpris en disant, « Excusez-moi, madame, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je ne sais pas ce que vous dites. Je ne comprends pas. » Alors, elle m'a expliqué ce qu'était le devoir de mémoire. Et, oh là là, j'ai dit, « Vous savez, madame, moi, ce ne me concerne pas. D'abord, je ne suis pas quelqu'un qui a, comme vous, beaucoup de culture, beaucoup d'instruction. Je n'ai pas fréquenté les établissements scolaires puisque j'étais un enfant caché. Et puis, de toute façon, cette histoire ne regarde que moi et je n'ai pas l'intention de la raconter. » Elle m'a explicité, avec son intelligence et son calme et son expérience, que je devais avoir un devoir. Mais je ne l'écoutais pas beaucoup.
parce que je ne me consentais pas du tout, je ne me considérais pas comme concerné. Il y en avait d'autres beaucoup plus qualifiés que moi. Et puis, quand je suis rentré chez moi, au bout de quelques semaines, je me suis demandé si cette manière de réfléchir était intelligente et que je devais peut-être approfondir la réflexion. À la suite de quoi, naturellement, j'ai compris que ma position était imbécile, que j'avais un devoir non seulement vis-à-vis de mon pays, mais aussi vis-à-vis de la jeunesse, de mes enfants, de mes petits-enfants et aussi de l'humanité. Car ce génocide qui a concerné les Juifs a concerné toute l'humanité. Et je suis allé pendant des années, 15 ans, témoigner dans toute la France, où j'ai fait plusieurs centaines d'établissements, où je suis allé témoigner en Suisse, en Belgique, deux fois en Allemagne, qui était un témoignage très important pour moi. Et puis je suis allé témoigner aux États-Unis aussi, à Miami et à Manhattan, et au Japon. Et j'ai compris que je devais, avec mon expérience, combattre le racisme, l'antisémitisme étant une branche du racisme au même titre que le xénophobisme, c'est-à-dire l'haine des étrangers. Et j'ai mené, et je continue à mener, une lutte pour lutter et combattre le racisme avec le maximum de comment dirais-je moi, d'idées, et pour trouver des gens pour m'aider, et car il faut absolument que nous combattions ce fléau de notre 20e siècle. I originally thought that my story was a personal one. I didn't want any pity, and I was at a conference with a number of people, including the American historian Robert Paxton. And I was, as fate would have it, I was seated next to Simone Veil. Simone Veil was a French woman, female politician, yep, who was an Auschwitz survivor herself. And she asked me, somebody I had great admiration for, and she asked me, "And what are you doing for your duty to remember what happened?" And I didn't quite understand the question. And I said, this story only concerns me. I'm not anyone who is educated and of as great a culture as you are. And she calmly explained to me how important it was. And I thought about it, and I realized that it was really something I had to perpetuate for my children, for my grandchildren, and for all of humanity. I've traveled around France, I've been to Germany, Japan, and the United States to tell my story. That I had to be a part of this struggle to combat racism, and to combat this epidemic of racism and hatred. I know there was a part of the question that he did not answer about his parents. From the book, I know that, and from interviewing him, I know that he found out about the gas chambers several years after the war had ended. And so before I turn this back, I'm looking at the time. So before I turn this back over to Lisa and to Serena, I really want to take the opportunity to thank the Holocaust Memorial Resource and Education Center of Florida and USC Shoah Foundation for hosting us today. I want to thank Joseph Weissman and my father, Richard Kuttner, for their participation today, Shakespeare and Company in New York City for handling the book orders, and to all of you, our viewers, for spending a Sunday afternoon with us. Please join me again. There are several other events in the chat box, but please join me again on Sunday, August 30th at 2 p.m. Eastern Time, when we will host Peter Groves, author of A Good Place to Hide, which is about the rescue in Le Chambon-sur-Lignon, France, and the surrounding area. And information
on how to register and obtain his book can be found at www.holocaustedu.org/event. I see there's a question, how do you order this book? There is a link on the page for Joseph's, for today's event to get Joseph's book. And there will be a link for the August 30th event to obtain that book as well. Back to you, Serena and Lisa. Thank you so, so much, Joseph, Paul, Richard. I wish we had so much more time together today, but we've reached the conclusion of our program. And on behalf of the Holocaust Center, we are so incredibly grateful to you all and our audience. We're looking forward to continuing these conversations as always and programs together. Please go to our website to see upcoming events and past recordings. holocaustedu.org. Lisa Bachman is also posting a few links into our chat, and I just hope you all have an absolutely beautiful rest of your day. Thank you again for hosting us. Thank you. Thank you so much.